Heureuse de vous retrouver, mesdames et messieurs, pour cette nouvelle édition sur la télévision web Kaï TV. Le conseil patronal de la région de Kaï CPRK a organisé son assemblée générale ordinaire le samedi 26 janvier 2019 dans la salle de conférence de l'hôtel Kamangolé Palace. L'objectif de cette assemblée était l'adoption du statut et règlement intérieur et la présentation du rapport financier. Le président du conseil patronal de Kaï, Seydina Aliou Diallo, affirme que le CPRK connaît quelques difficultés. Le patronat de Kaï a des soucis. On n'arrive pas du tout à mobiliser de financement. On n'arrive pas du tout à faire quelque chose. Moi, je suis profondément intéressé pour ce genre de choses. Le nom du patronat, c'est qui crée l'emploi. Mais aujourd'hui, au Mali, le patronat, c'est difficile. Le Forum citoyen sur la problématique de l'accès des populations aux documents administratifs s'est tenu le samedi 26 janvier 2019 au Conseil de Cercle de Kaï. Ce forum a été organisé par l'Association des jeunes pour la citoyenneté active et la démocratie AJICAD, en présence des autorités administratives et politiques de la région. Nous avons organisé ce forum aujourd'hui à Kaï, notamment sur l'accès des populations aux services publics et documents administratifs. C'est déjà pour créer un cadre d'échange entre les populations et les services publics et aussi permettre aux populations de comprendre l'utilité de ces services publics, l'utilité de ces documents administratifs et comment se le procurer. Et aussi permettre à ces services publics de voir les difficultés que les populations rencontrent quand elles partent chercher ces documents ou même quand elles essayent quand même de faire usage de ces services publics. Pour un tout autre sujet, défendre notre humanité, notre foi et notre vivre ensemble, tel était le thème d'une journée de restitution des recommandations issues des journées de mobilisation d'urgence des leaders religieux et chefs coutumiers. Le dimanche 27 janvier 2019, dans la salle Massamakan Diabaté de Kaï. Organisée par le groupement spirituel musulman du Mali, la rencontre a enregistré la présence des leaders religieux et coutumiers, des autorités politiques et administratives. Le lundi 28 janvier 2019, le guide spirituel Cheikh Ousmane Chérif Madani Aïdara a procédé à la pose de la première pierre d'une mosquée, d'un centre de santé et d'une résidence nommée résidence Chérifla à Kaindi. Pour un coût total de 950 millions de francs CFA, ces infrastructures sont financées sur fonds propres du groupement Ansar de Kaï. Rappelons que le guide est dans la cité des rails depuis vendredi dernier. Sport football. Dans le cadre des matchs de poule du tournoi Djombougou, Marina et Takutala ont fait un match nul, 0 but de chaque côté, le dimanche 27 janvier 2019 sur le terrain de Nyamiga. C'est tout pour ce flash. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve très bientôt sur la télévision web Kaï TV.